Oh, et que bon, j'espère que vous allez bien, si vous serez aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Ark Cluster. Et aujourd'hui, on va tester mon bateau. Donc, je l'ai fait à l'instant. Il est pas très compliqué à craft. Voilà. Et il demande pas beaucoup de matériaux. Hein. Il demande presque rien. Il demande juste de faire juste les murs en bas. Juste là, mettre 2-3 fondations. Et quelques balustrades et voilà, c'est vraiment pas compliqué. Il est vraiment facile à faire. Après l'utiliser c'est un peu plus dur, donc le meilleur c'est le casque tech, mais je sais pas l'utiliser et il faut que je le crafte aussi. Donc dans tous les cas c'est mort. On va le faire à la méthode traditionnelle. Donc on va faire ça. Hop. Donc vous le mettez le plus loin possible. Et vous attendez que vous ramenez un poisson, donc c'est assez chaud hein, n'empêche. C'est vraiment assez chaud sans le casque. Il faut vraiment ramener le poisson. On va faire au pire un truc. Voilà. Ah ouais, c'est déjà mieux. Ah voilà. Je fais ça, voilà. Et ensuite. Voilà, c'est super pratique. Bon, c'est un peu plus dur, mais ça va. Ça le fait. On le met ici. Périm dans 40 minutes. Donc, je vais pas merder. Je vais faire ça rapidement pour essayer que, bah, pour essayer d'avoir de pouvoir tam ensuite des dinos. Juste après. Donc, ouais, faut que j'aille vite. Un petit dino, un petit poisson. Ah non, par là. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Donc j'ai juste à enfin à descendre la rivière. Peut me faire ça. Oh, déjà ça. Hop. Et de une. Enfin, et de un. Hop. Alors faut faire attention, hein. Des fois vous pouvez tomber sur des dinos assez dangereux, notamment des crocodiles. Enfin bref. Faire très très attention. Ah, on peut pas reculer. De la merde. Ouais, du coup là je suis piégé. Non, c'est bon. Ok. Oh les pierres. Allez, allez, allez. Oui. Est-ce que je peux déjà avoir un Koelenkante? C'est bon. Enfin, Koelen. Koelen quoi? Ouais, bref. Donc c'est officiel aussi, hein, le... Comment ça s'appelle? Il est là. Le frigidaire, le truc, bref, l'armoire de conservation ne sert à rien pour pouvoir pêcher. Hein. Enfin, pour les poissons. En tous les cas, ils périment. Pourrissent, périment, comme vous voulez. Hop. On va faire ça. Ça va, quand c'est des gros poissons, moi je peux voir. De l'eau verte hein, parce que l'eau marron on voit rien. Logique. L'eau claire. Hop. Oh. 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 Ça c'est du gros saumon 120. Ah, je vais pouvoir bien tam. Il en reste un, on va le prendre hein, clairement. Il me le faut ce dino, hein. C'est un saumon dino. Cette bestiole, hop. Ok, il est juste là. Putain, on peut pas reculer. Ah oui, non. Non, je l'ai pas.
fait que de bouger aussi, hein. Aller par là-bas. C'est assez long. Mais bon. Ça vaut le coup, hein. Quand je me dis que je vais pouvoir avoir un... Comment ça s'appelle? Un dino, là. Le petit dino dans la zone sombre. Ça me plaît. Hop. Oh putain. Galliminus. Je le vois plus. Pas grave. Oh. Est-ce que je peux me faire un pirate? Ah merde. Oh non, j'ai tué aussi un poisson tout à l'heure. Tant pis. Donc même s'ils sont à côté, je peux quand même potentiellement les... Voilà. Les capturer. En pierre en plus, il n'y a pas beaucoup de choses qui peuvent l'endommager. Il me semble que les piranhas ils peuvent pas, hein, clairement. Ce serait abusé sinon. Hop. Là, c'est un peu plus profond, donc faut faire attention. On va tomber sur des crocodiles. Ça va me faire chier, ça. Donc, faut que je parte. Un spino, donc ça, on va le tuer. Hop. Je sais pas si le spino, ça peut faire des dégâts sur les structures, alors bon. Autant pas prendre de risques. Là, il y a pas mal de perles, hein. Perles de silice. Et ici, c'est un peu la zone un peu plus dangereuse. Et avec des piranhas, bien sûr. Hop. Super pratique, hein, franchement. On va descendre par là. Là, il n'y a rien, rien, rien. Ok. Une loutre. J'ai envie de passer par là, donc bon. Ah bon bah. Hop là, Spino. Donc je vous l'avais dit, hein, il y en a pas mal. Hein. Faut faire vraiment attention. Surtout si vous avez un truc en bois. Bah bon. Un truc en pierre, c'est pas compliqué à faire. Donc voilà. Après vous pouvez le faire aussi en fer, en métal. Mais du coup, votre bateau aussi peut se faire casser. Donc au pire, essayez d'avoir un bateau à moteur, mais bateau à moteur pour l'utilité qu'on a là, ça vaut pas trop le coup non plus d'avoir un petit bateau à moteur, hein, franchement. Donc finalement, rester comme ça. Ok. On remonte, donc c'est pas du tout là où j'étais passé, hein, c'est ailleurs. Oh, bah si. C'est le même saumon, on dirait. Non, c'est pas par là, c'est... Ah, peut-être j'ai fait un aller-retour, ah, je sais pas.
Oh, il est là. Capturé. Non? Ah oui, il est là. Oui, là je peux. Ah bah non. Bah non, du coup. Surtout pas que je le tue, hein, ce saumon. Il va m'être utile. Hop. Ok, il est là. Normalement, d'ici. Ah, c'est trop loin. Dommage qu'on puisse pas faire aller-retour. Enfin, reculer du coup. Peut-être. Ah! Ah bah non. Je sais même plus où il est. Ah, mais il m'énerve. Ok, c'est bon. Je pense. Ah bah non, là je l'ai pas. Ah si. Non. C'est horrible, il passe toujours à côté. Oh le salaud. Il a pas intérêt à me le voler. Oh oui. Non. Il est où le saumon? Ouais bon, on va se laisser là je pense. Au moins j'aurais eu quand même pas mal de petits poissons. Hop, j'en ai quelques-uns, c'est pas dégueu. On va mettre ici les nasses. Et du coup j'en ai 5, c'est pas non plus énorme. Mais c'est déjà un bon début pour tam un petit dino je pense. Pas un niveau 150 mais un petit 30 ça peut le faire. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche, c'est tout à l'heure. N'oubliez pas que je vous kiffe. Allez, ciao ciao!